everybody wonders about Pluto. I mean, it's just an extraordinary world. There's regions, there's a dark terrain, light terrain, there's nitrogen snow. Aujourd'hui, nous avons une révélation extraordinaire qui vous laissera sans voix. Bill Nye, le monsieur science, vient de lancer une bombe concernant Pluton que la NASA gardait secrète depuis des années. Quel secret incroyable l'agence spatiale cachait-elle sur cette lointaine planète naine? Rejoignez-nous pour plonger dans les révélations stupéfiantes de Bill Nye et découvrir les découvertes étonnantes que la NASA a enfin révélées. Attachez vos ceintures, car c'est un voyage à travers l'espace que vous ne voudrez pas manquer. Chaque innovation dans la technologie moderne ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de nos aventures en exploration spatiale. En regardant en arrière, nous avons sans aucun doute fait des progrès énormes dans nos missions spatiales depuis que Neil Armstrong a foulé le sol de la Lune. Cependant, le vaste cosmos et notre incapacité à percer tous les mystères de l'univers sont un rappel constant qu'il y a encore beaucoup à apprendre. C'est là que les projets et instruments innovants de la NASA entrent en jeu. Le télescope spatial James Webb, JWST, a été lancé pour dévoiler des mondes lointains et jeter un œil sur l'origine de l'univers. Plus important encore, cet équipement est une extension monumentale des missions précédentes de la NASA. L'excitation de comprendre les mystères cosmiques du passé est une aventure épique. Nous sommes toujours curieux du Big Bang et de la formation de notre système solaire. Et surtout, nous nous efforçons de trouver une réponse définitive à la possibilité de vie extraterrestre en dehors de notre planète Terre. Notre connaissance du système solaire pourrait-elle évoluer vers un nouveau domaine d'étude? Les nouvelles informations recueillies grâce au télescope James Webb nous obligeront-elles à reconsidérer nos vues fondamentales de l'univers? Ces questions invitent à un réexamen de nos connaissances actuelles, en particulier notre compréhension et classification de Pluton en tant que planète naine. Grâce à la mission New Horizons et à ses découvertes révolutionnaires, nous avons pu en apprendre davantage sur Pluton. L'investissement $1 milliard a révolutionné les efforts de la NASA et élargi notre compréhension de la planète glacée. Avant la mission New Horizons, notre connaissance de la surface de Pluton était limitée. L'image la plus détaillée que nous avions, prise par le télescope spatial Hubble en 2002, révélait un mélange mystérieux de couleurs sur la surface de Pluton. Les couleurs incluent des nuances d'orange, de blanc et de noir, ainsi qu'un point lumineux qui a attiré l'attention des scientifiques. Compte tenu des détails limités fournis par le télescope spatial Hubble, enquêter sur Pluton était similaire à essayer de résoudre un puzzle avec seulement quelques pièces éparses. Puis, le télescope spatial James Webb est apparu sur la scène. Il s'est rendu en orbite autour de Pluton, prenant plusieurs photos époustouflantes qui ont donné aux scientifiques une toute nouvelle compréhension de cette planète. Le télescope a capturé un aperçu de la surface de Pluton, des cratères, des plaines et des sommets montagneux. Toutes les caractéristiques de la planète étaient présentes dans les moindres détails, montrant des traces de son histoire géologique. La scène était comme obtenir un pass VIP pour un spectacle de magie, et enfin pouvoir voir toutes les choses incroyables qui avaient été cachées pour nous. Ces photos ont non seulement fasciné les scientifiques, mais ont également captivé l'imagination de nombreuses personnes à travers le monde. Elles ont déclenché une nouvelle vague de curiosité et de passion pour les régions inconnues au-delà de notre voisinage planétaire. En juillet 2015, la mission New Horizon a atteint son objectif principal. La sonde est passée près de Pluton et de ses nombreuses lunes et a renvoyé les premières photos détaillées de ce corps céleste sur Terre. Ce moment dans l'histoire s'est avéré être un pas important dans l'exploration spatiale. Les astronomes ont obtenu des données sur Pluton et ses lunes qu'ils n'avaient pas auparavant. Le succès de la mission New Horizons a ouvert d'autres voies pour que la NASA explore l'immense étendue de la ceinture de Kuiper. Reconnaissant le besoin urgent d'une compréhension solide des corps célestes distants, la NASA a fixé son objectif sur les planètes situées entre l'orbite de Neptune et près de 50 unités astronomiques, UA, du Soleil. L'événement le plus marquant de la mission a été sans aucun doute le survol rapproché de la planète Pluton et de sa plus grande lune,
Charon. De plus, New Horizons a capturé des images claires des quatre autres lunes de Pluton, Nix, Hydre, Kerberos et Styx. Le processus de collecte des données a duré 15 mois, et le 25 octobre 2016, l'objectif a été atteint. La sonde spatiale a réussi à recueillir 6,25 gigaoctets d'informations précieuses. Mais quelle est l'importance de cette immense quantité d'informations pour la compréhension de la NASA du planète naine? Après la collecte des données, les résultats de la mission New Horizons étaient si uniques et distinctifs que les scientifiques ont dû créer de nouveaux modèles de données haute technologie pour interpréter les résultats. Avec le temps, il est devenu clair que Pluton était soumis à des variations de surface et d'atmosphère dramatiques, ce qui contredisait les attentes initiales. Malgré sa reclassement en tant que planète naine, Pluton affichait une nature dynamique. Il a évolué à un rythme qui a poussé la NASA à réévaluer et à réviser les connaissances existantes sur ce corps céleste intrigant. Les images haute définition de Pluton fournies par la NASA révèlent des détails fascinants sur cette lointaine planète naine. Une caractéristique frappante est la région en forme de cœur de Pluton, appelée à juste titre le cœur de Pluton. Ce phénomène géologique, scientifiquement nommé Sputnik Planitia, joue un rôle majeur dans la formation de nombreuses caractéristiques de la surface de Pluton. Étonnamment, cette région en forme de cœur n'est pas chaude et palpitante, mais plutôt froide, glaciale et presque gelée. En fait, il s'agit d'une vaste étendue de glace azotée s'étendant sur plus d'un million de milles carrés. La présence de ce gigantesque glacier d'azote au cœur de Pluton a des implications significatives. Elle est responsable d'un processus appelé « dérive polaire véritable » qui provoque un déplacement de l'axe de rotation du planète. Avant la mission de la NASA, les scientifiques n'étaient mentaux pas au courant que le bassin en forme de cœur de Pluton se trouve en face de sa plus grande lune, Charon. Cette réorientation de Pluton a des conséquences intrigantes, notamment en ce qui concerne la relation entre Pluton et Charon. En termes simples, l'alignement du bassin en forme de cœur de Pluton avec l'axe de marée entre Pluton et Charon suggère que la présence du cœur a une influence sur l'orientation du planète. Cela signifie que l'attraction gravitationnelle entre Pluton et Charon, couplée à la présence du Sputnik Planitia, a causé une légère inclinaison de Pluton sur son axe. Cette nouvelle compréhension éclaire pourquoi Pluton est un monde si dynamique et intrigant. Bien que Pluton soit inhabitable pour les humains, la surface glaciale de Pluton et le gigantesque glacier d'azote en son noyau contribuent à ses caractéristiques uniques. Cela inclut sa tendance à s'incliner en raison du déséquilibre de sa masse. La grande masse de Pluton, associée aux forces gravitationnelles de ses lunes, peut déclencher un phénomène connu sous le nom de dérive polaire véritable. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète aligne son axe de rotation avec une orbite plus favorable. Cependant, la présence de la couche de glace épaisse, seule, n'est pas suffisante pour provoquer une réorientation aussi significative. Bien que le glacier de glace massif contribue à la masse de Pluton, ce n'est pas le seul facteur qui entraîne l'inclinaison du planète naine ou les fortes forces de marée ressenties. Dans un tournant remarquable des événements, les récentes avancées technologiques ont permis aux scientifiques d'explorer plus profondément les mystères de Pluton, conduisant à une découverte révolutionnaire. Inconnu de nous, Pluton a un océan caché sous sa peau glacée. C'est une découverte révolutionnaire car elle renverse nos précédentes hypothèses scientifiques sur la structure et les origines du planète. L'existence d'un océan comme l'une des caractéristiques internes de Pluton modifie radicalement notre vision de cette lune lointaine, la plaçant parmi les autres lunes océaniques du système solaire comme Titan, Encelade et Europe. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune preuve que la vie pourrait exister dans l'océan de Pluton, le simple fait qu'il puisse exister nous pousse à nous interroger sur la possibilité que des environnements extraterrestres puissent être habitables. Cette découverte fournit des bases pour envisager la vie au-delà de la Terre et accroît l'importance d'étudier et de trouver des mondes océaniques dans notre système solaire.
NASA reconnaît également qu'en dépit de l'absence de preuves concluantes, la vie extraterrestre reste une hypothèse viable. Une autre découverte importante, grâce à la mission Cassini de NASA, a été la détection d'un océan riche en phosphore sous la surface glacée du satellite Encelade qui orbite autour de Saturne. Cette découverte a suscité des discussions continues sur la possibilité de vie extraterrestre, puisque le phosphore est vital pour la formation de l'ADN et de l'ARN, constituant de la base moléculaire de la vie. Bien qu'Encelade demeure une cible astrobiologique potentielle pour la recherche spatiale, la complexité de l'évaluation de l'habitabilité de Pluton prend une tournure différente. Le cas de Pluton est différent car, bien que les équipements d'imagerie soient suffisamment avancés pour obtenir des images claires de sa surface, ils ne sont pas équipés pour sonder son habitabilité. Cette incapacité à déterminer la composition chimique exacte de l'eau subsuperficielle de Pluton rend impossible l'élargissement de notre connaissance et la détermination concluante si Pluton peut abriter la vie. NASA continue d'investir dans l'exploration de mondes glacés comme Pluton, mais actuellement, les équipements pour estimer les nutriments de ces océans n'existent pas. Cependant, cela ne diminue pas la valeur de l'étude de Pluton. La planète offre des perspectives sur divers aspects de la science planétaire, de la compréhension de ses caractéristiques géologiques à la découverte de ses origines et de son évolution. Chaque nouvelle découverte ajoute à notre connaissance du système solaire et alimente notre curiosité sur la possibilité de vie au-delà de la Terre. Lorsque nous plongeons dans l'image haute résolution de Pluton, nous découvrons une multitude de caractéristiques cachées, dont certaines pourraient vous étonner. Parmi ces découvertes se trouve un lac niché au sein d'une chaîne de montagnes, juste à l'ouest du cœur emblématique de Pluton. Mesurant environ 20 milles de large, soit environ 32 km, ce étrange corps liquide semble maintenant gelé. Cependant, des indices dispersés sur la surface du planète naine suggèrent son existence passée en tant que lac coulant, regorgeant d'une substance mystérieuse. L'existence d'un lac sur Pluton est d'autant plus étonnante car il se trouve dans un froid extrême, avec des températures allant jusqu'à moins 230 degrés Celsius ou moins 382 degrés Fahrenheit. Bien qu'il ne soit pas clair de quoi était composé le liquide, les scientifiques soupçonnent qu'il aurait pu être du azote liquide. Il est spéculé que, il y a des milliards d'années, l'azote liquide aurait pu être responsable de la formation de lits de rivières et de gorges complexes, comme le magnifique paysage montré sur la photographie. La capacité de l'azote liquide à s'accumuler et à s'écouler dans un monde aussi éloigné de la chaleur du Soleil est attribuée aux températures et aux pressions fluctuantes de la surface de Pluton. À mesure que la planète naine orbite plus près du Soleil, sa surface subit un réchauffement subtil, provoquant la transition de la glace d'azote de solide à gaz. Dans des conditions spécifiques, cette transition peut également mener à la formation d'azote liquide, donnant lieu à ses caractéristiques inattendues. Pluton affiche en outre un autre mystère alors que les scientifiques examinent son atmosphère brumeuse, clairement illustrée dans les images reçues. Bien que l'atmosphère de la Terre diffère considérablement de celle de Pluton, la composition des gaz enveloppant la lointaine planète naine ajoute à son attrait et à sa complexité. Elle offre aux scientifiques des perspectives inestimables sur les atmosphères planétaires et la dynamique plus large des corps célestes dans notre système solaire. L'atmosphère de Pluton est incroyablement fine, environ 80 000 fois plus mince que celle de la Terre. On pense qu'elle se forme lorsque la lumière solaire vaporise la glace de la surface, ce qui entraîne une réaction avec le méthane et d'autres molécules. Cette réaction produit un mélange complexe d'hydrocarbures, résultant en une brume semblable à du smog. Ces particules de brume, qui diffusent la lumière bleue, se déposent à travers l'atmosphère, formant des couches horizontales complexes qui s'étendent à des altitudes de plus de 120 000 ou 200 km. Avec Pluton s'éloignant du Soleil tous les 248 ans, son atmosphère continue de geler, induisant un type de neige qui tombe et adhère à la surface de la planète. Cependant, la nature spécifique de ces particules de neige reste un mystère pour nous.
les scientifiques ne sont pas encore capables de déterminer si les chutes de neige sont granuleuses ou semblables à des flocons. Il est également possible que ces chutes de neige se manifestent sous forme de vent semblable à des tempêtes de neige ou de neige douce se déplaçant dans la dense brume froide. Jusqu'à présent, les scientifiques ont pu observer ce qui semble être une couche de neige de l'azote qui s'est condensée de l'atmosphère et s'est déposée sur la surface dans des régions comme Tombaugh Regio. Espérons que cela aidera les scientifiques à identifier le type de chute de neige qui tombe sur Pluton. Alors que l'enquête se poursuit, l'une des caractéristiques les plus frappantes de Pluton est ses montagnes enneigées dans l'hémisphère sud, rappelant les Alpes sur Terre lorsqu'elles sont vues depuis la Station spatiale internationale. Cependant, à y regarder de plus près, ces montagnes sont nettement différentes. Elles sont composées de glaces d'eau congelées aussi dures que le granit et recouvertes d'un type de neige de méthane congelé. Certaines de ces sommets imposants peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 2,2 000 ou 3,5 km au-dessus du terrain environnant, similaires aux montagnes rocheuses en Amérique du Nord. Bien que voir des montagnes sur Pluton ne soit pas choquant, les scientifiques ne peuvent pas expliquer comment ces montagnes se forment. Sur Terre, l'origine des montagnes résulte essentiellement des mouvements tectoniques ou des activités volcaniques. En revanche, les montagnes de Pluton ne montrent aucune preuve d'activité tectonique ou volcanique. Ainsi, les scientifiques proposent que ces montagnes se forment par un processus appelé érosion par sublimation. L'érosion par sublimation se produit lorsque les matériaux gelés, tels que le nitrogène ou le méthane, à la surface de Pluton, sont exposés à la lumière solaire et se transforment directement en gaz, entraînant l'érosion du terrain environnant et laissant derrière des pics hauts et pointus. Remarquablement, Pluton régénère apparemment sa surface dans certaines régions. Les preuves suggèrent qu'une substance froide et visqueuse, semblable à de la lave, a coulé sur son paysage à plusieurs reprises. Ce phénomène inhabituel est appelé cryovolcanisme, où les volatiles glacés tels que l'eau, le méthane et l'ammoniac éruptent au lieu de la lave. La même activité cryovolcanique est également observée sur d'autres lunes glacées, comme Encelade et Europe. La présence de régions montagneuses avec des dépressions ou des puits à leur surface pointe vers l'activité cryovolcanique de Pluton. Un exemple convaincant est Wright Mons, une montagne dans l'hémisphère sud de Pluton s'élevant à 2,5 miles, 4 km, au-dessus de ses environs, avec une large dépression au sommet. Cette caractéristique, vue en gros plan, est suspectée d'être un volcan de glace, potentiellement le plus grand de son genre dans le système solaire externe. Une autre découverte intrigante sur la surface de Pluton est les vastes champs de dunes ressemblant à celles trouvées dans les déserts de la Terre, s'étendant le long du bord occidental de sa région en forme de cœur. Ces dunes sont un autre mystère à résoudre pour étudier des zones extraterrestres où les gens n'ont pas encore laissé leurs empreintes. Les caractéristiques de la surface de Pluton, y compris ses dunes, sont similaires à celles trouvées sur Terre. Les dunes sur Terre se forment par le mouvement du vent qui transporte des particules et les dépose dans des zones spécifiques. Cependant, les dunes sur Pluton présentent des caractéristiques uniques. Ils pourraient s'être formés non seulement par l'action du vent, mais aussi par la fonte de la glace de l'azote, provoquant l'élévation de grains de glace de méthane de la taille de sable par les gaz montants, puis leur transport une fois dans les airs. De plus, les dunes de Pluton sont considérablement plus grandes que celles de la Terre, certaines atteignant des hauteurs similaires à des montagnes et s'étendant sur de nombreuses milles. Cela est probablement dû à la gravité plus faible de Pluton, permettant aux particules d'être transportées plus facilement, créant ces caractéristiques impressionnantes. Un autre aspect intrigant du paysage de Pluton est la présence de structures ressemblant à des icebergs éparpillés à travers sa région en forme de cœur. Ces structures semblent être des fragments de glace qui se sont détachés de formations plus grandes. Chaque fragment mesure d'une à plusieurs milles de large et semble flotter au-dessus de la surface gelée en dessous. Les scientifiques pensent que ces icebergs sont composés de glace d'eau, car la glace d'eau est moins dense que la glace d'azote.
Lorsqu'ils se détachent et sont poussés vers le cœur de Pluton, peut-être à travers des flux glaciaires, ils sont soumis au mouvement de la glace d'azote en dessous, entraînant les formes particulières observées dans cette région. Les formations en forme de cellules recouvrant le cœur de Pluton révèlent également des informations sur les processus géologiques de la planète. Ces formations, ressemblant à un processus appelé convection, se produisent lorsqu'un fluide est réchauffé de manière inégale, que ce soit par le soleil ou une bouilloire bouillante. Ce processus de convection est considéré comme une signature de la surface dynamique et en constante évolution de Pluton, éclairant la complexe interaction des forces façonnant ce monde lointain. La présence de convection sur Pluton suggère que quelque chose sous sa région en forme de cœur est plus chaud que la surface. Cela provoque un mouvement lent des plaines de glace d'azote au fil des années. En examinant de près les images, les scientifiques ont remarqué que les icebergs tendant à se regrouper autour de ces cellules de convection et sont probablement poussés vers les bords par les forces sous-jacentes. Les scientifiques continuent d'étudier ces formations et d'autres caractéristiques de Pluton dans l'espoir qu'ils auront bientôt des réponses aux questions floues sur Pluton. Chaque fois que nous observons Pluton, il semble offrir quelque chose de nouveau à découvrir. Et Pluton n'est qu'un des centaines de planètes naines potentielles dans la ceinture de Kuiper. Il est vraiment fascinant de penser aux merveilles qui pourraient exister sur d'autres planètes naines comme Omea, Makemake ou Eris, que nous n'avons pas encore eu la chance d'explorer. Espérons qu'un jour, dans le futur, nous aurons l'occasion de témoigner de leur beauté gelée et de découvrir les secrets qu'ils renferment. Avec le lancement du télescope spatial James Webb, nous sommes au bord d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. La désignation de Pluton comme planète dormante est rapidement en train de devenir un vestige du passé alors que la NASA dévoile des images claires et détaillées de caractéristiques géologiques sophistiquées qui ont récemment émergé à sa surface. Ces références picturales impressionnantes marquent une percée significative, laissant entrevoir la nature dynamique de ce monde lointain. Il est remarquable de penser que seulement quelques gigaoctets de données peuvent révéler un monde de possibilités infinies pour nous. La richesse d'informations recueillies par des missions telles que New Horizons et le télescope spatial James Webb offre de nouveaux aperçus sur les mystères de notre univers. À chaque nouvelle découverte, nous nous rapprochons de la compréhension des complexités des corps célestes, comme Pluton, et de la découverte des secrets qu'ils renferment. En effet, la perspective de ce qui nous attend dans notre exploration du cosmos est à la fois excitante et inspirante. Alors que nous continuons à repousser les limites de notre connaissance, le voyage dans les profondeurs de l'espace promet d'être aussi fascinant qu'éclairant. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour d'autres vidéos époustouflantes comme celle-ci.